Je m'appelle Lucas, j'ai 21 ans et je suis actuellement en alternance à l'Industrie. Et avant d'être en alternance, j'ai fait un service civique aussi à l'Industrie du coup. Alors j'avoue, c'est ma mère qui m'en a parlé. Je ne connaissais pas du tout avant le concept de service civique. J'ai eu mon diplôme en janvier et je voulais continuer mes études. Ça reprenait uniquement en septembre. Et donc, j'avais 6 mois de libre. Ma mère m'a proposé de me lancer dans cette aventure de service civique. Et l'Industrie, du coup, en regardant, en cherchant les offres, j'ai découvert l'Industrie. Et c'est celle qui m'a semblé la plus intéressante parce que ça concernait le domaine technique, en fait, industriel, qui est aussi mon domaine d'études. Alors, moi, j'aidais au service sourcing et recrutement. J'aidais lors des journées affinités, sélection, du coup. J'aidais aussi pour les visites et je présentais du coup aux visiteurs le campus. Mon plus gros challenge, ça a été justement pendant ces visites-là. J'ai jamais eu l'habitude de présenter quoi que ce soit à l'oral, parler en public. Et finalement, j'ai très vite été amené à devoir présenter devant des groupes assez conséquents, comme de 20 à 30 personnes, tout seul, pour présenter l'Industrie et certaines machines, certains systèmes. En un mot, je dirais découverte. Je pense justement, en lien avec ce mot-là, c'est que le service civique, c'est une découverte et qu'il faut être prêt en fait à s'ouvrir à tout type d'expérience. Ça permet aussi de se découvrir soi-même et de découvrir de nouvelles choses qui peuvent potentiellement nous plaire. Du coup, j'ai eu mon alternance et puis après cette alternance-là, je compte aller travailler du coup en tant que technicien dans les systèmes embarqués. Voilà.